The human race, a sentient species. We dream and we ponder. This is a gift from our Maker, who uttered us into existence, but left the end of our being untold. That uncertainty torments us. And how could it be otherwise? For without knowing the end, how are we to make sense of the beginning and all those moments in between our lives? So we dream and we ponder in pseudo-enlightened and spiteful reflections of our Maker. We drown in desperation, hoping by chance to uncover this grand finale. Only then will we be able to weave the fragmented moments of our existence together. Finally comprehend the apparent maddening reason why we were born. I'm waiting. What's going on, guys, et bienvenue pour Fear Effect 2 Retro Helix, qui est sorti sur PlayStation en 2001, février pour l'Amérique et mars pour l'Europe. Alors, Retro Helix, Fear Effect 2 Retro Helix, c'est en fait une prequel, donc ça se passe avant les événements du premier jeu, mais c'est bien le deuxième jeu, c'est toujours du cel shading, en fait, un peu les personnages en cel shading, sur de la pseudo 3D en vidéo qui boucle. Enfin, si vous connaissez le genre, vous avez compris ce que je veux dire, mais ça fait bizarre, c'est vrai de le prononcer. Mais en tout cas, donc, grosso modo, l'histoire, c'est ça se passe avant que les personnages principaux en fait se rencontrent. Dans le premier jeu, il y a trois personnages, il y a les noms, je les ai complètement oubliés. Enfin bref, ils se réunissent tout ça, et là en fait, cette histoire du deuxième jeu, ben ça va être un peu l'histoire de comment ils se réunissent et comment ils se retrouvent avec Anna et les Royce et Glass. Et il y en a une autre qui est Rain, je crois qu'elle s'appelle. C'est une copine à Anna et il va se passer des choses avec elle. Surtout que Anna est bi, donc bon voilà quoi. Donc comme d'habitude, ce jeu mélange un peu action, beaucoup de gore, énormément de gore, et des scènes un peu hot aussi, donc comme le 1, hein, voilà. Par contre, je crois que les critiques n'avaient pas trop aimé le deuxième opus. Bon, moi personnellement, je l'ai trouvé sympa aussi, aussi bien que le premier jeu, donc ça reste assez potable. En tout cas, petite parenthèse, il se peut que les cinématiques soient pas parfaites, c'est-à-dire que des fois les sons en fait vont se rejouer, vous allez le voir, enfin j'espère pas, ça a été assez dur de le configurer sur émulateur, donc voilà. En tout cas, avant qu'on commence, parce qu'on va commencer dans une minute, il y a aussi une petite partie que je voulais raconter par rapport à Fear Effect en général, la franchise. Il y avait un 3 qui était prévu, qui s'appelait Fear Effect Inferno, qui était prévu sur PlayStation 2, mais au final qui n'a pas vu le jour. Et il y avait un trailer en 2002, à l'E3 2002, mais voilà, le projet a été abandonné. Par contre, en 2015, en fait, Square Enix a annoncé à plusieurs développeurs qu'ils pouvaient en fait utiliser
des IP, donc des franchises, et Fear Effect en fait partie. Et apparemment, en 2016, il y a eu un nouveau Fear Effect qui a été annoncé, qui s'appelle Fear Effect Sedna, Sedna, donc S-E-D-N-A, et je crois qu'il a été en Kickstarter, je crois qu'il est toujours en Kickstarter, donc j'essaierai de le retrouver, de le mettre dans la... dans les notifications, et je crois bien qu'il y a même une démo sur Steam, donc en tout cas je prendrai la démo sur Steam, et par rapport à sa longueur, peut-être que on fera un épisode des jeux du passé dessus, quoique c'est pas vraiment un jeu du passé, parce que techniquement c'est même un jeu qui n'est pas encore sorti, mais en tout cas ce nouveau Fear Effect, donc Fear Effect Sedna, sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox et Nintendo Switch apparemment. Voilà, publié par Square Enix, développé par Sushi. Donc c'est une autre boîte avec, je crois, à l'intérieur des gens qui ont travaillé sur les premiers Fear Effect. Et je crois la personne qui s'appelle, celui-là qui a écrit les Fear Effect, qui s'appelle Stan Liu, je crois bien. Voilà. En tout cas, assez de parlotte. On va passer sur Fear Effect 2. Donc, on est parti. Un truc sympa à montrer. Alors, c'est un jeu PlayStation, d'accord. Regardez les contrôles. On peut changer les contrôles de la manette. Et c'est de la PlayStation. C'est pas beau, ça? Je crois que ça, c'est... On peut les compter sur les doigts de la main, les jeux qui font ça. Donc, voilà. Et aussi les control type, alors il y a classique et 3D, je crois que classique en fait ça veut dire les control tank, donc si vous faites avant votre personnage va à l'avant, même si la caméra le montre vers, en faisant face à vous, et je crois que 3D c'est par rapport à la caméra, je crois bien, j'ai envie de tester 3D, on verra. Extra, il y a des, on pourra débloquer des petits artwork aussi. Game option, on peut mettre en difficile, auto draw on, save beacon, pourquoi pas. On verra ce que c'est. Et le son stéréo mono, voilà, sous-titres, oui. Et c'est tout, on va se lancer. Donc Fear Effect 2 Retro Helix sur PlayStation, c'est parti. Très long temps de chargement. Oups, j'ai rien dit. Donc voilà, bon, comme d'habitude, je vais parler un peu sur la cinématique. Je dois dire que il n'y a rien en fait qui nous explique que le jeu se passe avant le premier jeu, donc c'est un peu confus au début parce qu'on va vite retrouver une personne qui meurt dans le premier jeu très très rapidement. C'est vrai que sur le coup, je crois que la première fois que j'ai joué, je me suis dit « Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Le mec, c'est un zombie !» Mais voilà, donc il faut bien savoir que ça se passe bien avant, qu'ils se rencontrent les trois. Donc voilà, il y en a un qui est mourant, l'autre, il est dans le désert, il va se suicider, et elle fait la pute. Elle fait plus ou moins la pute, mais c'est pour... C'est pour estorquer les gens. Je crois qu'elle elle est toujours tueuse à gages ou un truc comme ça, en fait. According to our intelligence, the exchange will take place tomorrow. Once you obtain the intact marker and safely deliver it to us, you'll find the remainder of your fee waiting. More importantly, with the marker in our possession, my team will at last be able to fix your... Alors évidemment, le jeu va encore mélanger folklore japonais avec esprit, monstre, etc. Mais ça sera plutôt vers la fin du jeu. Avec... Dying, drunk and a whore. En gros, il a dit une salope. Enfin, une pute plutôt. Un alcoolique. Enfin, genre un mourant, un alcoolique et une pute. Voilà, donc lui là, c'est Jin, je crois bien. Ouais. Donc Jin est mort dans le premier jeu, très très rapidement. Drop it off at the usual place and I'll wire you your share. Now say thank you, Mr. G. I'll only say that at your funeral. Oh, no, that hurts. Guess you don't want to hear about the Wing Chun gig. What are you yakking about now? Donc ouais, sinon c'est une tueuse à gages, je crois bien. Plus ou moins.
buy back your triad contract, huh? Keep your stinking abacus out of my life, Jin. Then consider it investment advice. You're gonna need to bring a tech head with you on this one. I'll fill you in on the final details later. So, was it worth dying for? We've got an unforeseen complication, Hama. Now listen carefully, I'm only going over this once. Trust me, Jin. The less I talk to you, the better. Ça me rappelle pas mal le manga que je regardais quand j'étais plus jeune. Tonight is the annual Christmas formal at the Wing Chun Cowboy Bebop. C'est un peu le même style en fait, dans un sens. There are four sets of DNA sequences scattered in different labs on the 86th floor of the South. Faut que je le note, faut que je les re-regarde ces épisodes Cowboy Bebop. J'ai dû en voir quelques-uns, mais j'ai jamais dû finir les saisons. The first disc contains a genetic sequence that's missing the four sets of links that you'll be taking from Wing Chun. The other disc is a hunter program encoded to seek out the surveillance system access codes for the 80th and 86th floor. You'll need to go to the 80th floor to bypass the security system on the 86th floor. The only way to have free access on the 80th floor is to create a loop in the surveillance video at the central security hub in the basement. Ah mon dieu, c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué mais c'est beaucoup d'informations. En gros on va voler de l'ADN etc, enfin plein de bordel. Shit, not the aqueducts. It bypasses all their electronic checkpoints. Find the district utility maintenance hub in the aqueduct and have Rain hack for the access codes. That's why you told us to come in by sea. So what else didn't you get me? Just a hair and some fingerprints. You'll need to charm those after Dr. Liu at the party. He should be easy to spot. Just look for the richest man in the planet. I know what he looks like, Jin. After his claims of discovering the gene that causes ends, everybody does. Et END, je crois que c'est une maladie. Pandémique. C'est, les terroristes utilisent ça en fait. Je crois. You don't get an exit plan for 15%. But how's this? Try going out the front door. Fine, fine. You never make things easy, do you? Oh. Uh-oh. Let me guess. Jin made last-minute changes to the plan, right? Yes and no. Here's the deal. Jin says... Donc ça, c'est Rain, une amie à... à Anna. Mais je dois dire que je sais plus trop si elles se connaissent de... d'où elles se connaissent en fait. Testing, testing. Hear me okay, Hannah? Loud and clear. Je crois qu'elles font simplement équipe en fait. District maintenance hub and download the codes for the 80th and 86th floor. See if you can locate the exit hatch. Last one out of the aqueduct buys the champagne. Deal. I'll even give you a head start. Et évidemment, je crois qu'elle meurt à la fin du jeu, parce que vu qu'on la connaît pas, dans le premier on l'a pas. Ah, vous voyez le marqueur sur le sol, c'est la sauvegarde. C'est dans les options, c'est ce que j'ai fait. On va sauvegarder. Alors par contre, les contrôles sont exactement comme dans le premier, donc c'est légèrement difficile. Maintenant on a un combat en mêlée, je crois bien. Voilà, avant on l'avait pas dans le premier. Ça c'est pour sprinter. Ah oui aussi, donc comme je disais, ça c'est les contrôles. En fait là on a des contrôles modernes, c'est-à-dire que si mon curseur va à gauche, elle va à gauche. Si je vais à droite, elle va à droite. Donc les options... qu'on peut pas regarder. Les options sont vraiment des options comme ça, avec les contrôles, sympa. Alors attendez, alors, Q,
carré et rond, c'est pour aller dans l'inventaire. Triangle, c'est pour équiper. Et croix, c'est pour tirer, en fait. Voilà. C'est très, très étrange. On peut toujours se baisser. Ok. Ouh, non. C'est triangle pour regarder les objets. Ah, là, un fusil à pompe aussi, ok. Désolé, je prends une seconde pour bien m'habituer parce que... Ok. Voilà. Ok, c'est parti. Use. Ok, c'est triangle. C'est très très étrange à chaque fois. Les Fear Effect sont connus pour avoir des contrôles extrêmement spéciaux, on va dire. Pas bizarre ou pas chiant, mais... c'est vraiment que avec leur jeu qui... que ça fonctionne. What's up? You mean besides my blood pressure? We've got a blackout in the next sector and the lock mechanism circuit is fried. Just blast through then. Great idea. Was the 40 pounds of C4 packed in your backpack or mine? Real funny, smartass. Now what? I'll try to bypass the circuit. There's got to be a generator somewhere. See if you can find it and bring it back online. Done. Don't go anywhere. J'aime bien la le style qu'elles ont les deux là, sympa. Enfin, genre les comebacks à chaque fois quand elles se balancent des, quand elles se parlent les unes des autres, c'est sympa. I don't think so. Apparemment, il y a plein d'objets. Par contre, je crois bien que le deuxième jeu est un peu plus grand, c'est-à-dire que les environnements des fois sont deux fois plus grands que les anciens. Là, quand il y a la vie qui s'affiche, je crois que c'est qu'il y a un ennemi en fait. Il y a un ennemi pas loin. Oh merde. Ah ah. Elle est pas morte. Ça va. Je crois qu'on peut... Ah oui, on peut faire roulade avec l'autre gâchette, ça va. Ah ben putain, la gueule des rats. Waouh. Ça va, ils sont pas violents les rats, c'est cool. Ok, on a un crochet en métal, sympa. EMP. C'est quoi ça, EMP? C'est décharge électrique, ça.